Ça dit quoi l'équipe? Ça dit quoi l'équipe? Toutes les autres vidéos, à chaque fois on fait ça. Ouais, ça va? Ça va? Tranquillement. Comment ça va vite? Oh, je te passe la bise en bas. Comment ça va vite? Un petit bisou, s'il te plaît. Excuse-moi. Wow! On est en 2002? Non, on est pas du tout, ok je me calme, c'est peut-être trop. En fait je dis ça parce que tu sais genre, qui va sur Messenger en 2021? Ah bah oui, c'est le concept. Ouais. Du coup je me disais c'était un peu drôle. Non, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est avec Théodore. Salut. C'est les crédits je trouve, l'intro et tout. Ouais c'est top. C'est des... ouais j'aime bien. Bon, on a des automatismes. C'est vrai. Relation un petit peu sensuelle, amoureuse. Attention. Les fanfics. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour faire un concept que j'avais fait il y a un an ou deux sur ma chaîne, je crois. On ouvrait nos premières conversations Messenger. C'est un peu drôle parce que plus le temps passe, plus les conversations sont vieilles. On a ouvert nos confs séparément, on est remonté au plus bas. Et juste en voyant genre toi, on a vu un truc et direct c'était la derka quoi. Que de la derak ici, voilà. Que ça derak. Ça derak de fou. Et du coup, voilà, c'est un concept fun, marrant. On va avoir de la gêne, genre il y a par moment. Bien sûr. Déjà, attends, je désamorce une chose. En fait, je vais pas rester sur cette chaise parce que là, vous voyez pas, mais moi j'ai une belle chaise qui vaut 800 euros. Je suis sur un putain de banc. Mais sur un banc, genre vraiment les bancs que vous retrouvez dans les vestiaires. Avec un peu de papier bulle dessus. Et en fait on va lâcher cette DX Racer pour aller sur la DX Racer. La Hess. Ok. Bien ou pas? Ok. Petite particularité, à chaque fois qu'on va ouvrir ces conversations Messenger, à la fin, donc imaginons, je me balade sur ton Messenger, je vois une conv il y a 10 ans, je me dis, oh, c'est qui cette meuf? Je clique, on regarde un peu les DM, Théodore un peu charo et tout, et là je te dis, ok mec, Shifumi, pour savoir si tu perds le Shifumi en gros, je me permets d'envoyer un petit message à cette 12 quoi. Et on fait ça à chaque conversation. C'est un peu le piment du jeu. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde est prêt? Alors on va tranquillement faire les petits queutrus, on va se bander les yeux, et on va baisser son fut. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Gros, ne baisse pas vraiment ton froc, genre. Il y a des limites. Mais je suis pas du tout influençable. Dis-moi un truc, je vais pas le faire. Roule-moi une pelle, genre. Non. On fait un premier Shifumi pour savoir. Moi, je propose autre chose qu'un Shifumi. On doit trouver le nombre de taches de rousseur que t'as sur le visage. C'est super long, gros, vraiment. Je dirais 58. J'ai déjà compté. T'as déjà compté? Ouais. Quand? C'est moi qui fais le compte fan. Non, non, on peut faire un autre jeu, par exemple. Un jeu qui fait Darak? Ouais. Ok, le premier qui fume le bureau en deux, il a gagné. Non, 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 non. Non, gros, t'es trop influençable, vraiment. Celui qui crie le plus fort. Mais on... ouais, mais ça va juste être. Tu vois, genre, c'est nul. Et si on juge par rapport au. Ok, par rapport à la courbe? On juge par rapport au truc. Tu commences? Ouais. T'as grave perdu. Ok, t'es prêt? J'ai fait un pic plus haut. Ouais, t'as fait vraiment un pic. Ok. Il y a 9 ans, il y a 8 ans, oh là là. T'avais quel âge? Ça, j'adore ça. Bah, il y a 9 ans, j'avais 9 ans. 9 ans? T'avais 9 piges? Mec, je suis désolé, mais... Mais des nuls, gros, je suis désolé. Mais on commence tellement fort. Vraiment, il y a une conf. T'as envoyé un message à Diablo X9 il y a 8 ans. Bon, pour ceux qui connaissent pas Diablo X9. Mais qui connaît pas Diablo X9? Ouais, mec, il y a des gens qui sont jeunes et tout. Ouais, ouais. Légende de YouTube, c'est peut-être l'un des premiers qui faisait du gaming qui a eu 1 million. Et j'étais fan et c'est un des premiers qui m'a donné envie de... Enfin, c'est le mec qui m'a donné envie de faire des vidéos. Du coup, là, on va voir. Non, mais gros, t'as vu ce que j'ai marqué? Oui, oui. Je veux voir, vas-y viens, on ouvre, nique sa mère là, let's go, let's go. Je suis mon meilleur fan, j'aimerais que tu vois ma chaîne, c'est ThéoBoss28. Mec, attends, elle existe encore cette chaîne ou pas? C'est celle-là. C'est celle-ci? Ouais. C'est toi, Fog? Et puis c'est toi aussi. Et c'est moi aussi ça. J'ai vu sur le gâteau. Quelques membres de la GX18. C'était ma team. Une team Call of Duty ou pas? Bah oui. Et donc, toi ton pseudo Call of Duty c'était ThéoBoss28. Ouais, après ça a changé, c'était ouais. Fox Gamers. Peut-être un jour j'en ferai une vidéo, on regarde. De ouf mec, de ouf. Voilà, donc oui, toutes les personnes qui ont forcé pour apparaître, c'est youtubeur préféré, bah on est ensemble, genre ça se trouve un jour vous aurez 1 million d'abonnés. Surtout que gros vraiment t'as envoyé ça sur le pire réseau social quoi, Facebook. Conversation suivante? Conversation suivante à toi genre. Ouais à moi genre. Et ben mec c'est comme tu veux hein. Donc là je peux aller n'importe où. N'importe où gros. Chapeau pointu, pénis cornu. Vas-y hein, ça peut, je sais pas c'est avec mes potes après genre. Charo. Quoi? Putain, ça fait mal, j'avais pas de barbe gros. J'avais pas de contour. Mignon. J'avais pas de contour, j'avais pas de barbe, j'ai des écouteurs filaires, ça sert à rien encore. T'es quand même mignon. J'étais mignon? Ouais. Oh, pour ça, ça me. C'est qui? Y'a plus de compte, ça me donne envie. Vas-y, vas-y. Parce qu'il y a comme si t'étais déçu. Il y a 10 ans, j'étais déçu. Elle a pas répondu à ça. Une déception il y a 10 ans. Mais le compte existe plus. Donc on pourra pas envoyer de message. Faut juste garder ça en tête. Waza! Oh non! J'étais peut-être un peu fan de Squeezie à l'époque, genre. Tu me fais chier. Il avait fait un truc comme ça, Squeezie. Ouais. Comment va? Bien et toi? Mec, attends, je sais ce que c'est. C'est une meuf, c'est sûr. C'est pas si c'est une meuf. En gros, attends, je t'explique. J'ai une sombre époque où j'ai full geeké sur Rabo.
Et à un moment, il y a un... je me souviens, ça m'avait matrixé. En gros, on avait une petite bande de potes sur Abo et tout. Et il y a une personne qui était arrivée qui s'appelait, je sais tout, elle s'appelait. Et gros, elle savait tout de nous. Genre vraiment, elle connaissait mon Facebook trop et tout, bien, tout ça. Trop et bien. Du coup, on était en mode, on voulait savoir qui c'était à tout prix et tout. Ça devait être trop. On n'a jamais su. Tu mènes une enquête, ouais, j'ai une enquête, ça fait 10 ans, j'ai toujours pas trouvé. Je te jure, un jour, je la face à moi. Je la cherchais, je la trouve pas, je sais pas qui c'est. Genre, mec, c'est j'ai vraiment... fait des recherches, elle est du côté de Montpellier, je sais pas qui c'est. Gros, tu prends vraiment trop à cœur, c'est une meuf sur Abo. Elle a 29 ans aujourd'hui. T'es matrixé de fou. Non, n'importe quoi, gros. Tranquille, on est en vidéo, c'est chill. Elle connaît ma vie sexuelle, moi. Vous aviez quel âge? Gros, j'avais 12 ans, quoi, je crois. Ah, ok. Je suis né à écarter les cuisses, elle a dit. Quoi? Et vu qu'elle sait tout, bah c'est vrai. Genre... gros, elle devait avoir 12 ans, quoi, quand elle m'a dit ça. Oh, c'est sombre. J'ai pas répondu. T'as pas répondu? Ouais, désolé. Je devais être comme ça. Tu n'as écarté les cuisses. Ok, ça, à 12 piges. T'as eu la poutrelle, ouais. J'ai peut-être eu un peu la poutrelle, ouais. Vous savez, ça se voit, j'étais mal à l'aise par rapport bah, à ça. Ah oui, bah ça me disait, mais mal à l'aise. Genre, elle sait que j'écarte les cuisses et je devais être là. Ah, c'est 8 ans, horrible, hein, c'est horrible. Mais tu as 8 ans. Tu as 8 ans. Tu peux pas faire ça, genre. Allez, next conversation! Sur ton messenger à toi. Oh là, t'as vu des trucs là? Ouais. Non, mais c'est juste parce que ça me rappelle des gens, genre. Ah ouais, ça me fait un peu rire ça. Et tu m'as demandé. Oh, j'ai envie de voir! Bah non. Oh. Bah. C'est ultra méchant. C'est juste ultra méchant. En 2013, t'as envoyé à une meuf sans rien, sans max, salut, sans un petit M. Tu vois, genre ouais, vraiment, t'as écrit le message, t'étais comme ça. Allez, quoi. Maxime, t'as envoyé un râteau. Et je oh sais. Non. Et tu m'as demandé un ami juste pour ça. Je suis rageux. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu veux le checker? Non. Tu m... Non. J'ai fumé. En ligne une heure. T'as envie de le perdre ou de gagner? Laisse-moi voir qui c'est, genre. Parce que vraiment, mais mec, je... c'est bon, je sais. Tu sais? Ouais, mais vraiment, je la connais pas, c'est vraiment juste la meuf qu'une pote. Shifumi. Non! Tant mieux, on va la laisser en dehors de tout ça. J'ai le seum! Ok, oui. À toi. Ok. Il y a des gens, je ne sais plus qui c'est là-dedans, là. Oh, c'est quoi, mec? Vas-y. Je crois que c'est un vrai drama, genre. C'est Louis, le copain de Noé. Mec, je me souviens plus de qui c'est. À Skip, tu fais tourner une rumeur sur Aga, tout ça. Ça, je m'en bats les couilles. Mais pas assumer derrière et dire que c'est Noémie, ça, c'est pas très malin. Maintenant, tu vas assumer tes conneries 2 minutes auprès des personnes concernées. Je cherche pas la merde, quoi. Mais je vois dans quel état d'esprit est Noémie et ça me gave. Alors, tu prends tes affaires et tu vas ranger ta chambre. Je fais l'autre. Elle a dit comme quoi c'est moi qui ai inventé et elle raconte des rumeurs sur moi. Je vais rien faire. N'y a rien demandé, j'ai rien contre elle. Si elle non plus alors qu'elle dise rien. Moi ça me passe par dessus la tête toutes ces histoires de gamins. Bonne soirée quand même. Oh, tu l'as corrigé. Non plus. C'est pas moi, gros, hein. Ah mais c'est vraiment pas toi. C'est un mec qui a pris mon compte Messenger, genre. Aucun souvenir, je ne sais pas qui est Louis, ni Noémie, ni Sacha. Personne, gros, je n'ai aucun souvenir. Shifumi. Shifumi. Non. Ouais, ça, on l'a refait. Ça va être vite. Shifumi. J'ai dit que se calme et tout ira bien. Elle s'est calmée. 8 ans après, je peux t'assurer qu'elle s'est calmée. Bon. J'ai réglé ces histoires avec Agathe. Agathe. Ah, sacré Agathe. Et je n'entends. Tiens plus responsable. J'ai mis du temps à prendre sur moi. Mais aujourd'hui. J'en ressens grandi. Mec, c'est trop bien, j'ai l'impression de foutre le sbeul dans ma vie, mais pas trop, genre. Tu sais, c'est un peu bizarre, genre. Tout est faute de Théo. Quoi? Ah ouais, en mode, il est encore sur mon compte. Genre, c'est encore le gars qui est sur mon compte. Une ordure. Il m'a menti. Aujourd'hui, il fait le débile. Un bâtard. Sur internet. Et franchement. Il y a une part de moi qui me dit que entre c'est, nous, cette personne n'existe plus. Ouais. C'est éclaté. Point. Bonne soirée. Trop bien, non? Bah, gros. Non, je rêve qu'elle réponde. Tout est de la faute de Théo. Je rêve qu'elle réponde. Alors, on n'est pas beaucoup remonté chez toi. Pas du tout, même. Oula. Supprime-moi de tes amis. Je connais pas. Tu connais pas? Non, c'est un fake. Tu es qui? T'es pas Enzo 6.1? C'est genre là, il est en V6, quoi. C'est la 6ème version de Enzo. Si, je m'appelle Enzo, mais toi, t'es qui? Théo, tu habites où? Je te connais pas, moi. Moi non plus, donc barre-toi. Mec, je trouve ça archi drôle. Complètement cinglé, genre. Attends, je veux quand même continuer un peu. Je suis complètement cinglé. Et pourquoi tu m'as demandé un ami? Le gars, il reste poli, genre. Je croyais que t'étais Enzo, le pote à Soyeli. Oula, tu habites à Sens? Oui. Ah, moi, c'est à Courgenay. Tu connais Erwan? Oui. Moi aussi, son père travaille au bleu de mon père. Bon, bah, c'est le trou du cul en plus long, Supprime-moi de tes amis, je n'y arrive pas. Shifumi, par pitié. Mec, c'est archi drôle. Sale trou du cul ambulant. Qui dit ça, genre? Vas-y, faut qu'il y ait ce Shifumi. Vas-y. Shifumi. Non! Bébé, je suis pas bobok, je suis bébé. Le seum! Tant mieux. C'est qui? Mec, c'était une meuf avec qui je parlais au collège. Et genre.
Et il y avait un M et je te dis ce que j'aime chez toi là. Ouais, j'ai peur. Mais gros, ça sert à rien de remonter, on se parlait beaucoup. Hein. Ah, on peut remonter tout en haut, frère. J'aimerais bien voir comment vous êtes parlé, ou sinon explique-moi. On s'est connus, on était au collège, on était en 3ème ensemble. Donc j'avais 15 piges, genre. 2011, mais attends, même pas 2011. Non, 14, j'avais 14 ans. Je suis en manque, MDR. Attends, mais sérieux, quoi, j'ai trop envie de faire une chicha, je sais pas pourquoi. MDR, j'allais dire un truc de gros pervers. T'imaginais qu'il allait. T'imaginais bah, gros, elle allait dire un truc. Je suis en manque. Je suis en manque, t'étais là. J'ai le même là. Non, dans le face d'art. C'est le même, j'ai comme ça. J'avais ce même là. Je suis en manque instantanément, ça s'est alarmé. Mais quand même, j'ai tenu un peu. Hein. J'ai mis MDR avant. MDR, je vais te dire un truc de peur. Mais c'est bien, j'ai l'habitude avec toi. T'avais déjà fait l'amour? Non. J'avais quel âge? J'avais 13 ans, mec, j'avais un problème. Hein. Je l'appelais Mounette, frère. Je l'appelais. C'est drôle. Mounette, ça fait longtemps! T'es une fille qui m'a toujours fait rire. Je me souviens de nos soirées SMS, on disait vraiment n'importe quoi, genre. Non, mec. On est des pervers! En tout cas, tu m'auras bien fait rire en 3ème. C'était une superbe année, je te trouve super sympa. Change rien. Merci, oui, je me rappelle nos soirées, c'était tellement bizarre. Gros, vraiment, j'ai l'impression que c'était des doigts dans le cul, quoi. Bon. Ok, bah. Attends. T'as compris, j'ai compris. Reverse, n'importe quoi. Shifumi, j'ai pas trop envie, genre. Attends, qu'est-ce que je vais dire? Du moment si elle, si elle est en ligne à 2h. Attends, déjà, viens, on fait le Shifumi, tu réfléchis après. Shifumi. Non. Non. Vas-y, mets ça, gros. Coucou Mounette, frère. Et moi, elle m'appelait grosse queue, frère. Attendez, faut que j'explique. Dans la cour, et frère, c'est une sombre époque, hein, j'ai même pas envie de dire ça sur internet. En fait, non, mais ouais, dis-le avec des mots cool, genre, touché juste. Ouais. En fait, ça arrive à tout le monde. Non, ça arrive pas à tout le monde. Non, mais je veux dire, c'est ok, genre. C'est en pas fait, grave. Juste, on avait un jeu. on avait un jeu bizarre, genre. Touche pipi. Peut-être des fois, genre, on était en cours et tout, et peut-être on se touchait un peu, genre. C'est drôle de dire ça face à une caméra. Bah, j'ai chaud, quoi. Mais dans la cour, c'est se passé. Ah, pas tout le temps. Waouh. En cours, en fait, genre. Mec, j'ai chaud, vraiment. Mm-hmm. Prochaine conversation. Ça a l'air d'être un groupe entre potes, j'attends ça. Juste pour ça. Ouais. Oh. Tout est statut. Oh, t'étais un peu en mode inspecteur ou quoi, là? Alors? Tu parles de qui dans tous tes statuts, s'il te plaît? Camille, pourquoi? Ah, d'accord, c'est qui Enes, s'il te plaît? Un ami, mais pourquoi? Bah, parce que je le connais pas, et je te demande. J'ai stalké cette meuf? Ouais, je pense, hein. Ok, ça va? Ouais, et toi? Oui, tu fais quoi? Bah, rien, et toi? Mais gros, tu faisais jamais rien, genre. Rien, il y a des gens que je connais pas qui vont dormir chez moi. T'es sérieuse? Avec un cœur? Pourquoi vous êtes mis des cœurs d'un coup? Oui. Qui a mis le cœur en premier? Elle. C'est toi. Ok. Gros, pourquoi? Elle a mis vite remis le cœur quand même. C'était oui, très important ça à l'époque. À l'époque, ouais, si tu mettais un cœur et qu'il n'y avait pas de cœur en retour, c'est que t'étais friendzone quoi. Il y a un garçon de mon âge moche. Tu sais, elle est juste simplement leur physique. Il y a un garçon de mon âge moche. Et deux filles, ok. Ça va. Et par contre, juste, et leur père. Qu'est-ce qu'il fait le père chez elle, genre? Bizarre, hein. On avait des convoloques par moment, je me rends compte. T'as mis, c'est des amis à tes parents? Oui. Ah, ok. Ça va faire 10 ans qu'ils se sont pas vus. Et ils vont rester combien de temps? Mais gros. Ça se passe bien. Elle t'a pas répondu. C'était Bresson comme histoire, je pense. Ça se passe bien dans ton nouveau chez toi? Et le week-end? Ouais, c'est très trop bien, mais j'aurais préféré rester à Sens. Oui, c'est sûr, tu me manques. Salut. Tu sais que Maëline, on partage notre casier et c'est le tien. Oh. Tu sais quoi? Maxime nous fait la gueule, Maëline et moi. Et on sait même pas pourquoi. Il nous évite et quand on veut lui parler, il part. C'est horrible que j'ai pas répondu. Pourquoi t'as pas répondu? Bah, je sais pas, genre je venais de quitter le collège et tout. Et t'as vu, elle me donne des nouvelles du truc. Ah, et c'est du coup, horrible. toi, t'as... C'est... Ouais, mais c'est pas cool, genre parce qu'elle me donne vraiment des nouvelles comme ça. Genre juste, elle me dit, oh, en fait, Maxime nous parle plus et tout. Oh, en fait, ouais, c'est casier, c'est le tien. Ah, oui, ok, parce que t'étais parti. Pourquoi t'as pas répondu? T'étais trop occupé et tout, peut-être. En vrai, ça peut se comprendre, hein. Bah gros, c'est pas grave, vraiment. Vraiment gros, oh, vas-y, là, c'est cut et tout, c'est tranquille. Hein. Je pense pas qu'elle t'en veuille pour autant, genre elle t'a pas envoyé de message et tout. Elle est en ligne depuis une heure, elle vit sa vie, genre. Gros, t'es sûr de vouloir... Parce que là, tu t'envoies un message dans un état... Moi, à sa place, je l'aurais archi mal pris, perso. Ça m'aurait fait chier, en tout cas, genre. Je te le dis honnêtement. C'est pas grave. C'est pas grave, tu t'en rends juste... Il se passe vite à autre chose. C'est pas grave, let's go, la Derka. On entame les deux dernières, je propose un truc, quoi qu'il arrive, on répond. Quoi qu'il arrive. Vas-y, remonte, on n'a pas dû beaucoup se parler, genre. Putain, quand même. Non, gros, vrai point d'interrogation, je n'ai jamais su comment elle me percevait, genre. Ah, t'essayais de savoir? Je sais pas, en fait, j'en ai aucune idée, genre... Wow, t'es un tchatcheur. Mais de quoi? M'as-tu tchatcheur? De quoi je suis tchatcheur? On s'est pas beaucoup parlé, mais je trouve que tu inspires la bonne humeur et t'es super jolie. Mais c'était un truc mais genre, toi, mais parlé, je pense de toi. Je t'ai trouvé sympa, voilà. Non, je pense pas. Comment le passage première S, terminale S, et aussi dur que le passage seconde, première S, savoir si je prends le fusil l'année prochaine ou pas. Écoute, d'ailleurs, les cours de maths, t'en penses quoi? Tu sais, si les cours de français sont plus durs en 5ème, les bacs blancs ils sont complexes quoi en terminale? Dis-moi juste pour savoir. Moi je trouve que le passage première terminale a été plus simple. Ok. Je suis vraiment mise à bosser, machin. Ouais, tu veux faire un G? Tu veux faire un G? Tu voulais faire vétérinaire? Quoi? Tu voulais faire AV vétérinaire? En fait, je voulais être veto jusqu'à ce que j'arrive en terminale et j'avais deux en maths. Ingénieur agronome? Je voulais pas être comme ça moi. Ah oui, si! Non, si, ingénieur agronome. Si, c'est vrai. Parce qu'en gros, je sais plus comment c'était, mais tu pouvais prendre un cursus ou genre.
tu pouvais faire un cursus pour devenir ingénieur agronome et si jamais t'étais bon, tu pouvais être vétérinaire. Et comme j'avais capté que j'étais pas assez bon pour être vétérinaire, je m'étais dit ingénieur agronome. Ça te plairait vraiment de faire d'être vétérinaire ? Aujourd'hui ? Non. Enfin, veto. En fait, j'aimais bien les animaux. J'adorais les animaux. Du coup, je me disais, je veux soigner les animaux. Après, j'ai fait une castration. J'ai fait un stage en 3e où j'ai fait castrer un chat. Ah, si, c'est vrai. J'ai dû trop bizarre. Genre, c'était un truc où il fallait. Donc, lui, le veto, il avait fait. Il avait pris un scalpel, il avait coupé les testicules. Comme moi, en vrai. Genre, vas-y, explique, mais ça me rappelle grave mon opération. Et en gros, genre, après, moi, j'ai dû pareil. Pincer les testicules pour les faire ressortir pareil. De la peau, genre. Pareil, sans anesthésie. Ah, si. Pas de couilles. Pas de couilles, le mec qui fait ça sans anesthésie. Le mec. Ouais. C'était un mec qui avait ça. C'est un chat. C'est une opération qui se fait aussi sur les hommes. Non. Non, je crois pas. Hein. Enfin, pas comme ça, genre. C'était pourquoi ? C'était dans. T'avais quoi ? T'avais un rhume ? C'était en cas d'une diarrhée, en vrai. Mais. Diarrhée. C'est quoi, c'est okay. Le médecin, il avait un diplôme, un truc ? Bah, je suis allé dans un bâtiment, tu vois, et il y a marqué docteur, docteur m'appelle, et genre, je suis allé... docteur Maboule, et voilà, quoi. Et voilà, quoi. Te foutre la pression, tu es avec qui, toi ? Ah, on parlait des TPE, mec, pire truc, les TPE. Ouais, je détestais. Si on peut, tu as reçu, je ne sais pas. En fait, je vais gratter des cours. Oh, tu étais un ordinateur, j'ai sur mon portable dans 5 minutes, je te dirai si j'ai reçu demain. En fait, elle m'a donné son numéro. Ça sera plus simple. J'ai gratté un numéro. Par contre, vraiment, je venais gratter des cours. Vraiment, regarde, je suis venu gratter des cours, elle me les a envoyés. Mec, ça fait quand ? 4 ans, 5 ans, je vais pas parler. Malaise un peu. Oh, c'est horrible, mec. Oh là là ! Mec, je vais direct... Je vais... Allez, en ligne ! Oh, la vue ! Elle a envoyé des émojis pleurs de rire. Comment tu vas, Théo ? Je l'adore. La best. Ok, je prends une combo pif. À 4 ans, ça commence à être... Non, c'est pas mal, ouais. Ah oui, justement. Il y a 4 ans, gros, j'étais en... Ouais, t'avais 14 piges. Ça peut être drôle. Ok. C'est vraiment mon ex de l'école primaire. Ouais, elle était venue me parler, et tu sais, elle avait une stratégie où en mode, elle était... T'avais une crête, frère ? T'as tenté de faire une crête à la tectonique un peu. Mais par contre, attends, laisse-moi expliquer avant que tu lises. Elle avait une technique pour m'approcher. Elle m'avait dit, dès le premier jour de CE2, genre, j'avais personne dans ma classe et tout, genre de mes amis. Elle était venue à côté de moi, elle avait fait, ouais, là je vais faire une fête d'anniversaire, mais tu seras pas invité, parce que je t'aime pas. Et C'est pas une technique d'approche, ça. Et si, vraiment. Technique. Et vraiment, elle était vraiment amoureuse de moi, genre. C'est une technique d'embrouille, genre. Salut. Salut. Ça va ? Ta gueule. Théodore, quand tu lui parles, en fait, il y a un petit moment avant qu'il se détende. Genre, il est comme ça quand tu lui envoies un message. Il est là, genre. Ok, dis Théo Boss, c'est ta page ? Non, ma page, c'est les blagues et les ados. T'avais une page Facebook. Et plein de pages Facebook. T'avais une page Facebook, la blague, les blagues et les ados. Plein de pages Facebook. La blague et les ados, trucs, astuces. T'es Norman ou pas ? Ouais. T'as dû te faire plein de nouveaux potes. En te connaissant, t'es déjà sorti avec combien de filles depuis le début de l'année ? Ou alors ? Eh oh ! Alors ? Charo ? Attends, la rentrée, c'est bien toujours au début septembre. Ouais. Donc en 2 mois, t'es sorti avec 2 meufs. C'est ok. Mmh. Bah t'es pas des relations très longues, quoi. Mais là, dans ce collège, ça rigole pas les deux meufs. Elles sont trop fatiguées. Elles sont trop à l'aise, si tu vois ce que je veux dire, en fait. MDR. Tu dis ça dans quel sens ? Parce que cette année, les filles et moi-même, OMG, je suis plus du tout coincé. Tu dis ça dans quel sens ? Parce que moi, si tu veux me péter le cul, en fait. Moi, j'ai Vans, Blazer, Air Jordan, vive les soldes. J'avais pas tout ça. Ah ouais ? Je t'ai envoyé la toffe, mais je sais pas si tu vas la recevoir. C'est swag. Faut que je me bouge. Attends, je vais voir c'est quoi cette photo. J'ai fait dégradé espagnol. C'est genre plus court sur les côtés, c'est swag. Dégradé espagnol, gros, ça existe ou pas ? Non. Il invente des noms dégradés. J'ai fait dégradé espagnol. J'ai fait petit dégradé pakistanais hier. Franchement, moi comment je suis beau. Fais balèze, c'est vraiment pas top. Les gars, dans les coms, si jamais vous faites des dégradés espagnols, n'hésitez pas à le dire sous les coms, ça ferait super plaisir. Mettez cette photo pour dire, ah tiens, je voudrais ça. Ou quoi ? C'est là, vous vous êtes pas parlé. Et là, j'ai le droit de lui parler. Attends, on était parti à la cité de la musique, j'étais mort de rire. 2016. Ça se passe comment la vie de star ? Non, sérieux, franchement, bravo, t'as percé BG. Tranquille, merci. J'avais pas percé du tout. Elle va le voir un jour ou l'autre. Hein. J'ai trouvé. Attends, la vie d'Aloca. Gros, c'est pire que tout ça. La vie d'Aloca. Tu sais que ça veut dire. Alors, je l'ai mal écrit, mais en plus, ça veut dire la vie de fou, quoi. Elle est en ligne quand ? Il y a 19h. Elle va pas comprendre, je pense. Ça a rien capté, gros. Bon, c'était bien sympa en vrai. C'était bien sympa, j'ai passé un très bon moment. Non, malgré que de base, t'as pas envie de le faire. Ouais, t'as pas là, envie. Très envie. J'avais envie de le faire. Petite appréhension quand on a commencé à lire un peu les DM, mais c'était bien kiffant. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne de Théodore qui sera dispo. Bah, tu viens vraiment de lécher le doigt, alors je me le suis mis dans le cul pas plus tard qu'il y a 5 minutes. Mais tu devrais pas être content quand je te dis ça, genre. J'adore. Tu l'as bien léché, hein. Mais ça me dégoûte un peu, vraiment. Genre là, c'est pas top. Mm. Donc, ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du petit gars, comme ça. T'as vu ? Voilà, secoue un peu. Voilà. Par contre, merci gros, c'est vraiment top. Et puis, on vous dit abonnez-vous à ma chaîne bah, aussi. Bah, surtout. Ça serait cool. En vrai, je sais pas s'il y aura un épisode 2 ou quoi, parce qu'en vrai. Bah j'avais déjà fait 2 épisodes, du coup tu sais ça commence à faire des cons en doublon, nanani nanana. C'était bien, c'est posé, top. J'espère que vous avez kiffé. On vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Salut. Ah